Salut à tous, aujourd'hui on va vous montrer deux paires de chez Alix 9SM, voilà, c'est les 1000, 1017, c'est. Alors je vais vous montrer la version mono, Sleeve One, là, et là je vais vous montrer la Hiking noire, c'est-à-dire une paire de chaussures normales, et là c'est une slide, voilà, je vais vous montrer, voilà, que j'ai commandé chez Farfetch. On va sortir tout ça. D'abord on va faire celle-là, les amis, on va faire une slide. C'est à la bonne en ce moment les slides. Voilà, là, on va montrer comment ça doit être dans la boîte. Alors ça sont les papiers qui vont avec. Voilà, Farfetch, toujours pareil. Alors il y a, on dirait qu'il y a un petit sac avec. Alors je sais pas si c'est à l'intérieur, faut que je vais tout sortir. Ah ouais, elle est dans la boîte carrément. D'accord. Voilà. On va montrer comment c'est. Alors, il y a un petit sac avec. Voilà, le nom, là. Petit sac pas mal. Tout. Et la paire, elle est dedans. Voilà, c'est que je connais pas du tout la marque, trop. Voilà, fait par Matthew Williams, pour ça qu'ils connaissent le créateur, qui a travaillé avec Nike, avec Givenchy, tout. Et en fin de compte, je vais vous montrer. Je voulais vous montrer, voilà, la boîte comment elle doit être, avec tout ce qui est marqué devant, tout. Voilà. Là, il y a marqué, je sais pas si on le voit bien, le petit logo, là. Voilà. Hop. La boîte est assez simple. Encore une petite pochette là, pour mettre votre paire de pompes avec écrit la marque et tout. 1017. Voilà. Et là, on va vous montrer comment elle est. On dirait une style slide. Voilà, les tailles et tout. On va sortir avec le paire. Alors, ça, hyper léger. Il y a plusieurs coloris comme ça. Voilà. On va essayer de vous montrer un peu les bases de la paire, hop, voilà, bon, sympa, tout. Alors il faut compter dans les 590 euros pour avoir une paire comme ça, voilà. Voilà, elle est super légère, tout, on voit les détails, on voit écrit le nom là, aussi, encore, tout, le contour en dessous est pas mal aussi, il y a marqué quelque chose aussi là, encore la marque, Made in Italia, voilà, je vais essayer de vous montrer, voilà, que c'est bien Italie, tout, alors sympa, tout. Alors je sais pas si ça taille nickel, ça je peux pas vous dire, je le marquerai dans le plus, si ça taille bien ou non, si c'est pas comme les slides. Voilà, on dirait une slide avec une runner, ça ressemble un peu le style. On reconnaît bien le style quand même hein, de Matthew Williams. Voilà, il y a des tailles comme ça part. Tout. Alors, il y a plusieurs, il y a coloris, il y a crème, je crois qu'il y a violet aussi, blanc et noir. C'est de vous montrer un peu l'intérieur, je sais pas si je vais y arriver parce que comme c'est tout en noir, hein, on voit pas bien, de toute façon il n'y a pas grand chose, mais par contre le grip il a l'air pas mal. Donc par contre porter avec vous, pensez à porter ça avec des chaussettes quand même. Hein. Voilà, je vous remontre un peu le détail, design, tout. Voilà. Voilà, hop. Maintenant je vais la ranger. Maintenant on va attaquer l'autre paire. Voilà. Alors maintenant on va attaquer celle-là. Celle-là c'est la Hiking, elle s'appelle. Ça c'est une paire de chaussures. C'est carrément les sneakers. Voilà. Alors comme il marche parfait, je marche avec plusieurs boutiques comme toujours. L'autre j'ai reçu d'Italie, celle-là j'ai reçu de Pologne. Sur boutique. Ah c'est peut-être marqué là. Voilà, je vais vous montrer la boutique. Il y a la boutique. Voilà. Même si c'est fait avec Farfetch quand même. Voilà la boutique qui se trouve en Pologne sûrement. Voilà. Le petit papier, ça c'est papier pour, c'est pour envoyer. On va sortir la paire. Pas évident. On va sortir ce qu'ils ont mis le papier avec pour le protéger. Voilà. Okay. Le petit papier là qui est avec. On va enlever le papier. Voilà. Ça fait le contour. Voilà, la boîte comme ça doit être marquée toujours. C'est comme l'autre boîte, c'est à peu près pareil. Voilà. Hop. Là je vous montre comme ça doit être tout. Alors cette paire-là, elle coûtait au début qu'elle a été sortie, elle coûtait 500 euros. Maintenant il faut compter entre 300 et 250 euros à peu près. Mais il faut vraiment trouver, c'est pas évident. Voilà, là je vous montre
La petite pochette qui va avec, comme l'autre. Voilà. Vous pourrez mettre la paire, si vous sortez avec elle, papier, fetch. Voilà. Alors, là, je connais pas du tout la paire. Alors là, je suis carrément un détail et tout. Comment c'est fait. Tout. Petit papier Farfetch, magasin. Alors, le design est vraiment sympa aussi. Tout. Voilà. On va sortir les deux paires. La différence. Voilà le design. Je vais prendre celle-là plutôt pour bien vous montrer les détails. Là, on reconnaît encore les traits et tout. Alors, il y a une couleur noire et un blanc. C'est vraiment sympa. Vraiment très belle. Design et tout, on reconnaît bien. On reconnaît bien un peu à la Zoom MMW. Je ne sais pas si vous connaissez. Que j'avais fait, j'avais montré, je vous mettrai dans le plus. Il ressemble un petit peu le style design. On dirait vraiment du cuir, je sais pas ce que c'est. Vraiment très belle. Comme je vous dis, vous l'aurez entre 250 et 300 euros. Maintenant, une paire comme ça. C'est la première fois que j'achète une paire comme ça. Celle-là, cette marque. De toute façon, ça c'est une marque tout ce qui est luxe, c'est pas une chaussure. Allez, sur ce coup, moi je vous dis à plus. Pensez à vous abonner à ma chaîne Multifrance 17. À plus, ciao.